des textes spéciaux. L'heure ne pouvait m'ouvrir, let's go. Hey, salut. Salut, monsieur. Tu vas bien? Ouais, je vais très bien, et vous? Moi, ça va, nickel. Dis-moi, c'est pas toi qui a tourné dans un film Top Gun? C'est pas moi, quoi? Qui a tourné dans un film Top Gun? Top quoi? Top Gun. Top Gun. Top Gun. Tu connais pas Top Gun? Non, je connais pas. C'est un film avec les avions. Tu ressembles un peu à l'acteur avec tes lunettes de soleil. Ah, ok. Bon, moi, je sais pas. Enfin, je regarde pas trop les films. Voilà. D'accord. Okay. Ouais, tu regardes pas cela, le film. Pardon? Tu regardes des films, quand même. Oui, mais pas trop. À partir de minuit, tu regardes des films. Quel genre de film à partir de minuit? Oh, tu sais de quoi je parle. Regarde, un coquin. Bon, je sais pas quel genre de film vous parlez à partir de minuit. Il y a des films qu'on peut regarder à partir de minuit? Oui, des films interdits au moins de 18. Ah, vous faites allusion à tout ce qui est film illicite ou bien nudité, je sais pas. C'est ça, exactement. Ah non, c'est interdit. Ça c'est rare en tant que musulman. T'as pas le droit? Hein? Vous avez pas le droit, sérieusement? Non. Ah, je savais pas. Pourtant, il y en a qui se gênent pas. Hein. Vous êtes musulman ou bien? Non, pas du tout. Ah, ok. Mais chez les musulmans, c'est interdit. D'accord, ok. Bah, je savais pas, tu vois. Pourtant, il y en a qui se gênent pas. Hein. Oui, les gens font, ouais, les gênent. C'est comme. Après, moi, attention, dans ce que je vais vous dire, c'est que. Et c'est la réalité. C'est comme tous ceux qui. Enfin, tous ceux. Une partie de ceux qui, quand il y a le ramadan. D'accord? Ouais. Surtout les jeunes, pas les anciens, mais oui. Surtout les jeunes, ils se cachent de leurs parents pour boire ou pour fumer leur pétard. Et c'est vrai que c'est, pour les parents, c'est pas cool, en fait, pour ce que leur ont appris les parents. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais. Et c'est vrai qu'avant, tu voyais pas ça. Moi, j'ai 50 ans. Mais avant, c'était beaucoup plus respecté que maintenant. Il y avait beaucoup plus de respect avant que maintenant, par exemple. Oui. Maintenant, c'est devenu pire encore. Ouais, carrément. Ouais, je pense, hein. Je sais pas, mais bon, je pense. Oui. Parce que maintenant, tout devient de plus en plus pire, en fait. Oui, non, mais après, voilà, il n'y a pas que chez les musulmans, malheureusement, et c'est de partout pareil, hein. Ouais, partout. Ok. Et si je vous demande, est-ce que vous, je sais pas, à votre jeunesse, vous regardez ce genre de films? Ah oui, mais ça m'arrive encore. Encore? Bah oui. Jusqu'à là? Eh bien, bien sûr. Et personnellement, envers vous, est-ce que ça vous gêne? Ben non, moi j'aime bien. Ça vous gêne pas? Non, pas du tout. Mais vous sentez pas que ça vous détruit? Ah mais non, mais moi ça me détruit pas, non. Au contraire, ça réveille quelque chose en moi. Ah bon? Moi, je pense, oui, selon moi, je pense que c'est destructif. Chacun sa vision des choses, hein. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais après, moi, je respecte tout. Après, moi, c'est ce que je dis. Moi, je respecte l'autre, et puis moi, j'aime bien qu'on respecte aussi, voilà. Mais moi, je sais que j'aime bien. Ça me dérange. Enfin, le dimanche soir à la 17, tu vois, quand je mets la 17 après Chicago Fire, y a des films de boules et j'aime bien. Hein. Ok. Voilà, tranquille. Hein. Voilà, mon ami. D'accord. Et vous êtes de quel pays? En France. Ah, de la France. Ok. Et toi, t'es où? Moi, je suis du Tchad. Ah, le Tchad, je connais. J'y suis allé en 93 à N'Djamena. Ouais. Ah, vous y étiez? J'étais avec l'armée, ouais. J'ai fait 10 ans d'armée, j'étais à N'Djamena, ouais. Ok. Voilà. Vous étiez en armée avant? Oui. Oh, super, intéressant. Et en 93, j'ai fait mon premier outre-mer là-bas au Tchad. Donc, ça veut dire que vous connaissez N'Djamena? Oui, j'y suis allé, ouais. Vous avez vécu... J'ai même vu la bière là-bas. La bière, si je me rappelle bien, il y a une bière qui s'appelle la Gala. Oui, Gala, il y en a. La Gala. Par contre, ouais. elle tape au cerveau, hein. Ah ouais. Elle est forte, hein. Ouf. Les gens disent, ouais. Et j'avais même été visiter l'usine de... T'as l'usine Heineken là-bas. Heineken. Ouais, t'as une usine à bière là-bas, Heineken. Je connais le nom Heineken, mais Heineken, c'est une marque de bière. Ah bon? Ouais, et on avait été visiter l'usine là-bas. Ok, je ne connais pas. Non, mais moi, je me rappelle de la Gala, les grandes bouteilles, là. Ouais, la Gala, quand même, je me rappelle, je connais ça. Je ne bois pas, mais voilà, je connais. Parce que vous savez, c'est interdit pour les musulmans. Oui. Moi, j'en ai bu quelques-unes, hein. Mais c'est vrai qu'elle faisait mal, hein. Ouf. Mal. Elle donnait mal à la tête. Bon, ça va, je vais finir mon tour. Je te souhaite une bonne soirée. Ok, merci à vous. Ciao, mon ami. Au revoir. Si continuer à partager avec vous, vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant, avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.